Elle réalise son rêve de voler pour la deuxième fois, un saut en tandem au-dessus de son Béarn natal. Gisèle s'offre son deuxième saut en parachute pour l'anniversaire de ses 85 ans. La famille et les amis sont là pour immortaliser l'instant. Elle partage l'expérience avec Clémence, sa petite fille de 24 ans. Maintenant, pour mettre le harnais, on vous le montre comme ça, vous nous tournez le dos, jambe gauche dans le trou gauche, jambe droite dans le trou droit. Ça, on le mettra après, Gisèle. Ah bah, elle est pressée. Hein. Et oui, elle est pressée, Gisèle. Malgré ses trois prothèses, le docteur a donné son accord, alors pas de raison de stresser. Comment tu te sens ? Moi, au paradis. Oui, pas de stress ? Non, je ne suis pas stressée. C'est rare quand je suis stressée, quand on m'énerve, ça oui. Dernière recommandation d'usage et dernière vérification, c'est le moment d'y aller. Un petit quart d'heure de montée pour atteindre 3000 mètres d'altitude. Et c'est déjà l'heure du grand saut. Une petite minute de sensation pure à 200 km/h. Atterrissage en douceur. Et oui, c'est déjà fini. C'était comment ? Oh, super ! Moi, j'ai aimé, j'aurais aimé que ça dure. Elle a été parfaite ! Gisèle a 5 ans pour se remettre de ses émotions, car promis, elle reviendra sauter pour ses 90 printemps.